Je suis Carré Michel, maire de la commune de Mézy, petite commune rurale de 520 habitants qui se situe en Puisaye-Forterre. Puisaye-Forterre, terre rurale, axée essentiellement à vocation agricole et touristique. Avoir un bâtiment qui soit aux normes des nouvelles règles sur la protection par rapport à l'environnement. Et l'autre paramètre, c'était l'accessibilité de la commune, de la mairie, qui effectivement n'était pas encore aux normes. Alors, étant dans une commune site classé entièrement, nous avions des normes architecturales à respecter, ce qui nous impose quelquefois des contraintes, pour la construction. Suite à un travail primaire de définition avec un architecte local, ensuite un appel d'offres a été passé, un marché à la concurrence, et nous avons donc choisi en priorité des entreprises locales, que ce soit pour le lot maçonnerie, le lot couverture, enfin, tous les lots nécessaires à la réhabilitation de cet établissement. Les travaux vont durer environ 8 à 9 mois et ensuite on pourra réintégrer nos locaux en espérant satisfaire au maximum les usagers. Les travaux de réhabilitation de cette mairie participent, je dirais, à l'effort local de soutien à l'économie en ayant choisi majoritairement des entreprises locales pour tous les lots qui composaient ce marché.